1978. Le président américain Jimmy Carter réunit les présidents d'Égypte et d'Israël, Anwar el-Sadat et Menahem Begin, pour un sommet sur la paix au Proche-Orient. ...1978 est aussi marqué par la disparition du pape Paul VI et celle de Jean-Paul Ier. C'est un cardinal polonais qui leur succède et qui devient ainsi le pape Jean-Paul II. En Italie, l'enlèvement et l'assassinat par les Brigades Rouges d'Aldo Moro, l'ancien Premier ministre, suscitent une vague de manifestations. En Amérique du Sud, le révérend Jim Jones ordonne à tous ses disciples de boire du poison. 914 personnes trouvent la mort en prenant part au plus incroyable suicide collectif de l'histoire. Dans la soirée du 16 janvier, dans une petite ville d'Écosse près d'Édimbourg, une voiture s'arrête devant un hôtel. Deux hommes y réservent une chambre pour la nuit. L'hôtelier trouve leur comportement bizarre. Méfiant, il appelle la police. Il craint que ces deux individus ne lui préparent un mauvais coup. La police fait des recherches et découvre que le numéro d'immatriculation de leur voiture est faux. Les deux hommes sont interpellés. Alors qu'ils sont en train de dîner, la police arrive et les emmène au poste. Ils se présentent comme John Blackman et Roy Hall. Ils font un petit périple en Écosse avant de partir s'installer en Australie. Hall demande l'autorisation de se rendre aux toilettes, d'où il s'échappe par la fenêtre. Il prend un taxi, mais la police l'intercepte à un barrage routier. Lors de la fouille du véhicule, les policiers découvrent un cadavre dans le coffre. Hall a réussi à dissimuler des comprimés qu'il avait sur lui. Il les avale et perd aussitôt connaissance. La police l'emmène d'urgence à l'hôpital où on lui fait un lavage d'estomac. Pendant ce temps, le complice de Hall fait des aveux complets et révèle sa véritable identité. Il s'agit de Michael Quito, un petit escroc sans envergure de Londres. La police ramène Hall de l'hôpital. Les deux hommes sont inculpés de meurtre. Suite à la découverte d'un cadavre dans le coffre d'une voiture le 16 janvier 1978, Archibald Hall, âgé de 53 ans sans domicile fixe, a comparu devant le tribunal de Erricton. Placé en détention préventive, il comparaîtra à nouveau devant le tribunal dans une semaine. Quito révèle le véritable nom de son complice, Roy Fontaine. Celui-ci a déjà été condamné à plusieurs reprises pour vol et escroquerie, mais n'a jamais été mis en cause pour meurtre. Quito identifie la victime comme le frère de Fontaine, Donald Hall. Puis, à la grande surprise des agents qui le questionnent, il avoue sa participation à trois autres meurtres. Tout commence quelques mois auparavant à Londres, lorsqu'il fait la connaissance de Roy Fontaine. C'est par l'entremise de Mary Kogel, une prostituée, qu'ils se rencontrent. Elle présente Quito à Roy Fontaine, qui a une affaire à lui proposer. Fontaine lui donne rendez-vous dans un pub. Il se présente comme un spécialiste du vol. Sa méthode est simple. Se faire engager comme majordome chez des couples fortunés, puis les dévaliser.
Au mois de novembre, Fontaine rentre au service d'un député à la retraite et de sa femme, Walter et Dorothy Scott Elliott, grâce à de fausses références. Les Scott Elliott sont extrêmement riches et habitent un appartement luxueux d'un quartier élégant de Londres. Fontaine arrive rapidement à gagner leur confiance. Walter Scott Elliott est l'archétype de la haute société anglaise. Il étudia à Eton avant de devenir capitaine dans un régiment prestigieux. Il fit ensuite fortune aux Indes avant de revenir à Londres vers la fin des années 30, où il épousa la baronne Alice Van Groller, attachée à l'ambassade d'Allemagne. Après la guerre, Scott Elliott fut élu député. Puis il entra au cabinet du ministre de la guerre. En 1948, il demanda l'annulation de son premier mariage et épousa une femme beaucoup plus jeune, Dorothy Nunn, issue d'une des plus riches familles de Calcutta. Les Scott Elliott avaient des propriétés en France et en Italie, un important portefeuille d'actions et une superbe collection d'antiquités. Pour s'attaquer à un tel patrimoine, Fontaine fait donc appel à Quito. Alors que Dorothy Scott Elliott est hospitalisée, Fontaine administre à son mari une forte dose de somnifères. La voie est libre. C'était du moins ce qu'il croyait avant l'arrivée soudaine de Dorothy Scott Elliott, rentrée de clinique plus tôt que prévu. Comme il l'avouera plus tard, Fontaine eut une réaction impulsive. Cela n'aurait pas dû arriver. Dorothy Scott Elliott demande des explications. Pourquoi son majordome rentre-t-il en pleine nuit dans son appartement avec un inconnu? En guise de réponse, Fontaine lui assène un coup de poing et l'étouffe avec un oreiller. Le bruit a réveillé Walter Scott Elliott. « Votre femme a eu un cauchemar », lui répond Fontaine. Le vieil homme leur est précieux. Ils ont besoin de sa signature pour vider les comptes en banque. Mais ils doivent d'abord se débarrasser du corps de leur victime. Il persuade Mary Cogle de se faire passer pour Dorothy Scott Elliott. Le lendemain, les trois complices prennent la route. Le cadavre est dans le coffre. Walter Scott Elliott, drogué, somnole à l'arrière de la voiture, à côté de Mary Cogle qui porte une perruque. Ils se rendent aux confins de l'Angleterre où Fontaine a loué une petite maison à quelques kilomètres de l'Écosse. Le trio passe la nuit dans cette maison et le lendemain, ils franchissent la frontière. Ils enterrent Dorothy Scott Elliott dans un coin perdu au milieu de la lande écossaise. Puis, le groupe retourne au cottage de Fontaine. Scott Elliott commence à devenir gênant. Ses amis vont bientôt s'interroger sur sa disparition. Fontaine décide de le supprimer. Ils repartent vers le nord le 13 décembre, passent la nuit à Inverness, puis se rend le lendemain dans la région isolée de Glen Affric. Fontaine tente alors d'étrangler le vieil homme qui lutte de toutes ses forces pour rester en vie. Sur l'ordre de Fontaine, Quito l'achève à coups de pelle. Il creuse une tombe dans la forêt et recouvre le corps de branches mortes. Fontaine ne semble éprouver aucun remords. Seule la vigueur dont le vieil homme a fait preuve l'a surpris. C'était comme s'il puisait la force de ses ancêtres. Il s'est conduit comme un gentleman jusqu'à la fin. Je suis retourné à la voiture. Marie m'a demandé si c'était fait. Je lui ai répondu que oui. Le trio infernal se rend ensuite à Édimbourg pour vendre une partie des antiquités des Scott Elliott. Roy Fontaine supporte de moins en moins Mary Cogle. Celle-ci risque d'attirer l'attention avec les bijoux et le manteau de fourrure de Dorothy Scott Elliott, mais elle refuse de s'en séparer.
Mary Cogle n'a qu'une idée en tête. Elle veut retourner à Londres pour impressionner ses amis avec ses richesses. Lorsque Fontaine veut brûler le manteau, elle refuse de s'en séparer. Il l'assomme avec un tisonnier et l'étouffe. Le 18 décembre, Fontaine et Quito retournent en Écosse et jettent le corps de leur ancienne complice dans un ruisseau. Cette fois, ils ne prennent pas la peine de dissimuler le cadavre. Dans le mois qui suit, les deux complices font de nombreux voyages à Londres, où ils vident peu à peu l'appartement des Scott Elliott. Ils font croire au concierge que les Scott Elliott ont décidé de passer Noël à l'étranger. Le matin de Noël, un jeune promeneur découvre un cadavre dans un ruisseau. Ce n'est que plus tard, après les aveux de Quito, que la police identifie le corps. Il s'agit de celui de Mary Cogle. Quito avoue maintenant à la police ce qui est arrivé à l'homme qui se trouve dans le coffre. Archibald Hall, alias Fontaine, avait un frère beaucoup plus jeune que lui, Donald, un petit escroc. Le 13 janvier 1978, Donald Hall est libéré de prison après avoir purgé une peine de 3 ans pour cambriolage. Fontaine n'a jamais aimé son frère qu'il considère comme un minable. Mais il lui permet de venir dans sa maison, ce qu'il regrette très vite. Donald pose sans cesse des questions indiscrètes. Il est aussi trop bavard sur les activités de son frère aîné. Il se vante même des coups qu'ils vont préparer ensemble. Fontaine décide de supprimer ce frère devenu encombrant. Un soir, Donald propose à son frère de lui montrer comment immobiliser quelqu'un en ne lui attachant que les pouces. Comme Donald joue le rôle de la victime, Fontaine en profite pour l'attacher, il le chloroforme et le noie. Le lendemain, Fontaine et son complice se rendent une fois encore dans les Landes écossaises avec un nouveau cadavre dans le coffre. Malheureusement pour eux, ils décident de s'arrêter en chemin à l'hôtel. Peu après les aveux de Quito, une équipe de police se rend dans le repère des complices. Les preuves accablantes qu'ils découvrent confirment le récit de Quito. Dans la maison, la police trouve des taches de sang, les empreintes digitales de Mary Cogle et du linge brodé aux initiales des Scott Elliott. Le jour même, des policiers fouillent les bois de Glen Affric pour retrouver le corps de Scott Elliott. Le 18 janvier, les recherches s'arrêtent. Les recherches pour localiser le corps de Dorothy Scott Elliott restent vaines. Quito ne se souvient pas de l'endroit précis où ils l'ont enterré. La police sait que Fontaine est le principal responsable de cette série de crimes atroces. Mais qui se cache derrière cet implacable meurtrier ? Archibald Hall est né le 17 juillet 1924 à Glasgow. Bien que d'origine modeste, la famille semble heureuse et unie. Dès l'âge de 13 ans, il se forge une réputation de voleur. Il se fait déjà appeler Roy Fontaine du nom de son actrice préférée, Joan Fontaine. À 17 ans, il purge sa première peine de prison pour vol et falsification de documents. Depuis sa plus tendre enfance, il éprouve une véritable fascination pour les bijoux. Il décide de mettre ses talents de comédien au service de cette passion irrépressible. Condamné à plusieurs reprises, il en profite pour s'instruire. Il lit de nombreux ouvrages sur les antiquités, les bijoux et les règles du savoir-vivre.
Entre deux condamnations, il suit une formation de majordome, métier qui lui permettra d'approcher les familles les plus fortunées. Cet imposteur n'hésite pas à changer sa voix, se faisant passer pour un de ses anciens maîtres quand son employeur téléphone pour vérifier ses références. Un jour, il subtilise l'invitation de son maître et se rend à une garden party royale à Édimbourg. Son affabilité, son air distingué et sa maîtrise des bonnes manières lui permettent de jouer le rôle du parfait majordome chez des gens fortunés. Mais malgré ses talents de comédien, Fontaine est peu doué pour échapper à la police. Plus d'une fois, il se fera prendre la main dans le sac. En prison, il se consolera en nouant des relations homosexuelles, ce qui ne l'empêchera pas une fois libre de collectionner les maîtresses et de se marier. Fontaine se prend pour un gentleman cambrioleur tel le célèbre Arsène Lupin. Audacieux, il rêve de commettre le vol parfait. Pour les psychiatres, Fontaine est un psychopathe égocentrique et vaniteux qui ne recule devant rien pour satisfaire ses désirs et ses fantasmes, mais sans jamais faire preuve de violence, du moins jusqu'en 1977. Il était prêt à tout pour ne plus jamais retourner en prison. Il voulait faire un ultime coup qui l'aurait mis à l'abri du besoin pour le restant de ses jours. Quand il apprend que Quito est passé aux aveux, il confirme le récit de son complice. Il fait alors une deuxième tentative de suicide. Mais comprenant qu'il n'a plus rien à perdre, il avoue avoir commis un cinquième meurtre. Fin mai 1977, Lady Peggy Hudson, la veuve d'un ancien ministre, l'engage comme majordome. Elle est propriétaire d'un vaste domaine tout près de l'Écosse. Lady Hudson est satisfaite des services de Fontaine, mais elle est étonnée qu'un homme de son expérience accepte ce poste dans un lieu aussi isolé. Fontaine lui répond qu'il aime la vie à la campagne. Quelques semaines après son arrivée, Fontaine recommande l'un de ses amis à Lady Hudson qui cherche un jardinier. Elle engage David Wright qui semble partager son amour de la nature, sa passion pour la chasse et qui s'occupe avec compétence du domaine. Wright avait été l'amant de Fontaine en prison. Impatient, il propose à Fontaine de dévaliser Lady Hudson. Mais celui-ci repousse son offre. Il veut préparer minutieusement le cambriolage. La tension monte rapidement entre les deux hommes car Wright tente de faire chanter Fontaine. Il menace de révéler à Lady Hudson son sombre passé. Peu de temps après, Fontaine remarque qu'une bague de grande valeur appartenant à Lady Hudson a disparu de la collection de bijoux. Wright est devenu trop gênant. Le lendemain matin, il lui propose d'aller à la chasse. Une fois dans les bois, Fontaine la bat froidement. J'ai pris mon fusil. Je lui ai dit que je ne tirais que du gros gibier. J'ai visé un lapin, puis j'ai tourné le canon de mon arme vers Wright et je lui ai envoyé une balle dans la tête. C'est le quatrième coup de feu qui l'a tué. Fontaine enterre Wright dans le bois, près d'un petit ruisseau. Puis il explique à Lady Hudson que Wright est parti car il a reçu une nouvelle offre d'emploi. Ce départ soudain éveille les soupçons de Lady Hudson. Puis elle reçoit un coup de fil anonyme qui la met en garde contre son majordome.
La police fait des recherches et le démasque comme étant Roy Fontaine, l'un des plus célèbres voleurs de bijoux. Lady Hudson le congédie. Fontaine loue alors une petite maison dans la région et cherche un nouvel emploi. Vers la fin octobre, il répond à l'annonce des Scott Elliott et devient leur nouveau majordome. Fontaine assiste maintenant la police dans leur recherche pour retrouver les corps de David Wright et Dorothy Scott Elliott. Mais le mauvais temps retarde les recherches. Cette affaire criminelle passionne les journalistes qui se demandent si Fontaine n'a pas commis d'autres meurtres. Fontaine a commis 5 meurtres. Nous avons retrouvé le corps de 3 de ses victimes. Les recherches se poursuivent. Mais le territoire que nous devons couvrir est immense. Malgré les conditions météorologiques, la police retrouve les corps des 2 dernières victimes. La tâche de la police est terminée. Fontaine et Quito doivent maintenant répondre de leur crime. Ils comparaîtront d'abord devant la justice écossaise. Plus tard, ils seront jugés par la justice anglaise car 3 de leurs meurtres ont été commis en Angleterre. Le procès de Roy Fontaine de Quito pour l'assassinat de Wright et de Scott Elliott s'ouvre le 2 mai 1978 à Édimbourg. Lord Willey préside le tribunal. Quito reconnaît être impliqué dans le meurtre de Walter Scott Elliott. Fontaine plaide coupable pour les 2 meurtres. Il est reconnu légalement responsable, bien que souffrant d'un désordre psychologique. Il ne paraît éprouver aucun remords. L'avocat de Quito tente de présenter son client comme une victime qui était sous l'entière domination de Fontaine. Le juge les condamne tous deux à la détention à perpétuité, fixant une peine de sûreté de 15 ans pour Fontaine. Le 1er novembre 1978, Fontaine et Quito sont jugés pour les autres crimes à Londres. Le juge James Miskin préside le tribunal. Fontaine plaide coupable pour les meurtres de Marie Kogel et Donald O. Il plaide l'homicide involontaire pour la mort de Dorothy Scott Elliott. Quito, lui, plaide coupable pour le meurtre de Marie Kogel et l'homicide involontaire pour celui de Donald O. Il nie avoir tué Dorothy Scott Elliott. Le juge reconnaît que Quito était sous l'influence de Fontaine, mais le condamne à la réclusion à perpétuité, dont 15 ans incompressibles. Il condamne Fontaine à la prison à vie, sans aucune possibilité de libération anticipée. Fontaine fait en vain une grève de la faim pour être transféré dans une prison écossaise. La passion du luxe de ce majordome au service du crime l'aura finalement conduit à passer la fin de ses jours en prison.